Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, on me retrouve sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'eau demoiselle. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo vlog, donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots. J'espère que vous allez bien, que ça va pour le mieux pour vous. Je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois sous les vidéos, pour tous vos partages, tous vos abonnements. Vous êtes à chaque fois de plus en plus nombreux à me rejoindre ici et ça me fait super plaisir. Donc un grand merci à vous. Je vous retrouve donc pour une nouvelle semaine. Pour moi, ce sont les vacances. Je suis en congé et ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc j'ai déjà pas mal de choses de prévues à faire cette semaine, mais quand même, je pense qu'il devrait y avoir plus de tricot qu'habituellement. En tout cas, j'espère bien. Je suis motivée, hein, je me dis que voilà, les vacances riment avec tricot, tricot, tricot au maximum, on verra bien. Mais voilà, c'est mon petit challenge de la semaine. Je vous le dirai après exactement ce que j'aimerais faire cette semaine. Mais voilà, normalement, du tricot. Aujourd'hui, je porte un gilet que je peux enfin vous remontrer, que je peux porter maintenant en vidéo. Vous l'aviez vu quand je le tricotais, il s'agit du gilet Anya. Donc le dernier modèle de Nadia de NCN Nice. Alors moi je vous le montre, on est lundi, il n'est pas encore sorti, mais quand vous voyez la vidéo, il est sorti, il sera sorti le jeudi juste avant. Donc vous me l'aviez vu faire, hein, ce très beau panneau de torsade. Je l'aime beaucoup beaucoup. Comme je vous l'avais dit, ce sont vraiment des torsades vraiment simples, mais de toute façon je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée. D'ailleurs quand vous voyez cette vidéo là, le mercredi qui suit, ce sera la vidéo sur ce modèle là. Mais voilà, vous l'avez un peu, vous le voyez, porté pour une fois. Donc un gilet qui, je trouve qu'il fait bien gilet-veste. En tout cas pour moi c'est comme ça que je le vois. Ça va être quelque chose que je vais mettre pour pouvoir sortir quand je vais sortir un petit peu tout ça. Je pense qu'il va être vraiment parfait pour m'accompagner dans ces moments-là. Bon, maintenant passons au tricot que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Je vous avais quitté toujours sur mon châle Ultra Rêve de By Night. Je vous avais quitté, j'avais fini une chaussette, j'avais débuté la deuxième et j'avais juste fait mon bulbe au crochet. Il me reste la fleur à faire. Donc mon objectif cette semaine, en fait, c'est de tout finir. Voilà. Je me dis qu'il n'y a pas, ça doit être possible. Le bulbe, il me reste vraiment pas grand chose. En plus, j'avance un peu dessus, donc vous allez voir. La chaussette, il me reste une chaussette qui est déjà entamée à finir, tout en jersey. En plus, la laine est super agréable à tricoter, donc il n'y a pas de raison. Et mon châle ultra rêve, c'est sur celui-là où j'ai un peu, je sais pas comment je vais avancer, mais si je me dis que, allez, hop, 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 je me mets comme objectif de le finir cette semaine. Voilà, je vais me booster et je pense que je suis capable de le finir cette semaine. Alors, le bulbe, je vous avais quitté. Bah, j'avais fait mon bulbe et bon, j'ai pas beaucoup avancé, mais vous voyez qu'il a ses premières feuilles. Voilà, j'ai tricoté les premières feuilles de mon bulbe. Alors, il s'agit d'un modèle de Lali Lala. Le modèle qu'on trouve, alors c'est un patron avec trois amigurumi sur le thème du printemps à faire. Il y a un oiseau, une cabane à oiseaux, une niche, on n'appelle pas ça une niche. Un nichoir, cabane à oiseaux, bon bref vous voyez, petite maison à oiseaux. Et au départ c'est la fleur de crocus. Sur le site de Lali Lala, elle a mis gratuitement trois autres petites fleurs. Donc en fait vous voyez là c'est les mêmes feuilles que sur celui-là. Hein. Je suis exactement le même patron, c'est juste que j'ai pas utilisé le même vert. Mais sur son site à elle, donc elle met gratuitement les informations pour faire trois autres fleurs. Et là je suis partie pour faire la fleur, le personnage. Voilà. Alors autant le patron est disponible en français, mais je vous l'avais dit, parce que les trois fleurs gratuites disponibles sur son site, c'est soit en allemand, soit en anglais. Donc il a avancé, il a juste ses petites fleurs, mais ses petites feuilles, mais je me dis que ça va vraiment pas être compliqué de faire la suite. Il me reste donc la petite collerette, vous voyez, qui se trouve là à faire, et la fleur. Je me souviens bien qu'en fait le plus long c'est vraiment de faire le bulbe, après quand on va là ça va super vite. Donc l'objectif de cette semaine, bah finir mon personnage. Et je sais que je vais avoir du mal à repartir parce que je m'étais dit que je voulais faire toutes les fleurs, donc il m'en reste deux à faire, mais en refaire les bulbes.
C'est ce qu'il y a quand même de plus long, quoi. Donc je pense que ça va faire comme la dernière fois, il va y avoir un moment de pause. Et après je reprendrai, je ferai mon bulbe, je vais râler parce que ça va être un peu long et la fleur elle se fera rapidement. Donc ça c'est pour le crochet. Ma chaussette, alors je sais plus du tout où je vous avais quitté quand, où j'en étais quand je vous avais quitté. Mais voilà où j'en suis. Donc c'est un patron, c'est une chaussette où il n'y a pas de patron, c'est ma recette personnelle moi. Ma recette personnelle, elle change à chaque fois que je fais une chaussette, donc bon, bref. Je fais un peu comme j'en ai envie, mais voilà. Donc, cela, il s'agit d'une laine auto-rayante. C'est une bulle de laine de chez Laine de Mout. Et là, c'est un contrastant de chez Laine de Mout aussi. C'était mon kit Cupidon. J'avais pas utilisé le cinquième. Il me restait un mini écheveau de ce kit-là. Donc, je l'ai mis dans les chaussettes. Ça va super bien avec. Et voilà où j'en suis. Donc, bon, j'ai plus qu'à faire. Je sais pas combien de rayures. Là, j'en ai fait 2, 4, 6. 8. Je suis en train de faire la dixième. De mémoire, il doit me rester 3 rayures avant de faire le talon. Et après, il ne me restera plus qu'à faire la tige. Et c'est pas non plus des chaussettes extrêmement hautes, moi. Elles sont de la taille que j'aime. Vous voyez? Voilà. Voilà ce que ça donnera fini. C'est vraiment. Moi, c'est la taille que je préfère faire pour mes chaussettes. La tige, elle est aussi longue que mon pied. Quasiment. Donc bon, je me dis, bon, je suis en vacances, ce sont les vacances scolaires, j'ai pas de voiture, d'attente de voiture ou quoi que ce soit. Donc ça va être à tricoter à la maison, mais je me dis justement un soir, devant un film, ça devrait se tricoter tout seul, ça devrait se tricoter bien. Donc voilà, mon objectif cette semaine, de finir cette paire de chaussettes-là. J'aimerais beaucoup, parce que j'aime beaucoup la laine, j'aime beaucoup la tricoter, mais je pense qu'à porter aussi, elle va être vraiment bien. Voilà. Voilà, là, ça c'est pour mes chaussettes. Et donc mon châle ultra rêve, je vous avais quitté le samedi, je sais plus. Ah si, bah, si. J'ai un marqueur dessus, mais je suis pas sûre de l'avoir monté. Enfin bref, je vais vous remontrer. Le samedi, j'ai pas du tout avancé dessus. Par contre, hier dimanche, j'ai bien avancé dessus. J'étais contente de moi. Et donc il a bien avancé. Alors, j'ai mis un livre. Hop là. Je m'emmêle un petit peu dans les fils. Alors excusez-moi, je remets tout ça. Hop, tout ça bien. Voilà. Alors moi, je vous ai quitté. Alors, mon marqueur, il est là. Mais je ne sais plus si j'avais pas un petit peu avancé. Donc ça, c'est un marqueur de repère des tricopines qui m'avait été offert par mon amie Apolline. Je ne sais pas si je devrais. Si j'étais pas un peu plus loin. Si j'avais. Je sais pas. J'ai un petit doute. Toujours est-il, je sais que je vous avais quitté là, dans cette section-là de ce point que j'aime tant. Voilà. Je sais que je devais le finir. Mais voilà, je sais pas plus. Je sais que c'est ça. Le samedi, j'ai fini. J'ai fini cette section-là. Mais vous l'avez vu pendant. Un truc comme ça. Donc, j'ai fini ça depuis que je vous l'ai montré la semaine dernière. J'ai fait cette section-là. Je me souviens ce que je vous avais dit. C'est l'une des plus faciles, moi, je trouve. Il y a moins d'erreurs là-dedans. Parce que ici, on peut facilement rater la texture. Hein. Je me rappelle, je vous l'avais dit, j'avais détricoté 2 ou 3 fois les rangs parce que je m'étais trompée. Parce que ça, on peut vite rater la petite manipulation qui est vraiment très simple à faire. Hein, vraiment, vraiment très simple, mais moi j'étais capable de le rater. Donc voilà, c'était. Donc je me souviens, je vous avais dit ça, c'est vraiment très simple à faire. C'est juste des mailles glissées. Vous voyez, c'est du jersey endroit et des mailles glissées, ça rend très très bien. Et d'ailleurs, ça aussi, hein, les rayures, je vous l'avais pas dit, mais ça aussi, hein, c'est du zéro cerveau. C'est vraiment pas. Les rayures aussi, c'est vraiment pas compliqué. Et on fait cette section-là, que j'ai beaucoup, j'aime toujours autant. Elle rend bien, j'aime bien les tricoter, c'était. Voilà, zéro cerveau, c'était parfait. Et ensuite, on commençait le fameux motif 5, que moi, j'avais pas vu au départ, parce qu'il se retrouve tout à la fin du patron. Et c'est cette rangée-là de jetés. Vous voyez, ça fait des petites rangées de rejetés. Et justement, on retrouve les rayures. C'est un mélange de ce motif. Donc, on a un nouveau motif où on fait les jetés. Et on fait le motif 3 qui est celui des rayures, mais qu'on fait en plus petit, vous voyez. Et on répète ça ainsi de suite. Donc là, j'ai encore 2 rangs, non, 3 rangs avec des jetés à faire. J'ai encore 3 fois ça à faire avant de passer à la dentelle. Et ensuite, il y a la dentelle, et là, ça sera le plus grand panneau de dentelle à faire. Et ensuite, il y a encore une section et c'est la fin. Mon câble, il commence à être juste, mais je ne le changerai pas parce que moi j'aime bien tricoter sur un câble un peu plus petit que le nombre de mailles que j'ai.
Donc là, je suis contente que ça soit juste bien la bonne taille, mais pour vous le montrer, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, il y a quelqu'un qui me l'a dit, c'était très juste, c'est que ce châle-là ira très bien avec mon pull Paris-Brest. Et mais tout à fait, en fait, j'y avais pas pensé, mais oui, carrément. Parce qu'en fait, moi, je regarde les couleurs, ce caramel, c'est trop l'automne, mais effectivement, moi, marinière Paris-Brest, ça ira mais parfaitement bien avec. Ça ira très très bien avec. Donc, je vais manger, non, je vais pas du tout manger mon marqueur. Quand même pas. Je vais bouger mon marqueur pour le. Ah, j'ai coincé mon ongle. Ouais. J'avais coincé mon ongle dedans. Je vais le mettre là où j'en suis aujourd'hui. Comme ça sera moins compliqué pour. Enfin, comme ça, je suis sûre, je sais où j'étais. Et demain, je pourrai vous montrer mon avancée. Donc voilà. Donc ça avance bien. Alors là, par contre, j'avoue quand même que le fait que le motif, là, cette section-là. Attention parce que je vais encore perdre mes maillots et tout. Cette section-là, vu qu'on a le motif 5 qui se trouve sur une page, le motif 3 qui est sur une autre page, plus, moi je vous l'avais expliqué, il y a au départ comme une fiche de route où section 1, vous tricotez ce motif-là, section 2, vous tricotez ce motif-là. Donc là, je suis à la section 11, je crois. Et donc, on doit tricoter une fois le motif 5, une fois le motif 3, on le répète tant de fois et on fait ça. Donc, il y a des indications sur trois pages différentes et j'arrête pas de swinguer entre tout. Ça, c'est le genre de truc qui. C'est un peu fatigant. C'est pas grave, hein, c'est pas bien grave. Mais c'est vrai que c'est. J'aurais aimé qu'en fait tous les motifs ils soient ensemble et que la dentelle soit mise à la fin. Parce que moi, entre les deux, j'ai toute la dentelle qui est expliquée à l'écrit alors que moi, je me sers du diagramme. C'est juste mon petit bémol de ça, c'est que ben, d'un coup, on a plein d'informations mais sur plein de pages différentes et il faut toujours switcher entre toutes ces plages. Page. Mais sinon, c'est vraiment bien expliqué et tout, et franchement, ça se déroule vraiment très bien. Hop. Mes laines, alors je tricote dans les laines de mout également, donc dans sa base mout Mary, c'est le coloris. Ah ouais, j'ai encore oublié. Ça, alors là, c'est Carabouille, et ici, c'est Miss Claudine. Ça doit être ça. De toute façon, j'ai tout mis sur mes fiches Ravelry. Tous les produits, tous les tricots dont je peux parler durant cette vidéo se retrouvent en dessous, en lien. Je suis en train de manger du mohair, de mon gilet. En lien sous cette vidéo, vous avez tous les liens. Voilà, vers mes fiches Ravelry, tout ça, avec les quantités de laine utilisées, les aiguilles que j'utilise et tout. Et donc voilà ce qu'il me reste. Donc c'est vrai que là, mon caramel, il part assez vite. Mais après, comme j'ai une grande section de dentelle avec ce coloris-là, ben c'est. Voilà, je pense que je suis bien en laine. Y a pas, je m'inquiète pas sur la fin et j'aurai assez de laine. Ça me paraît pas mal. Voilà. Donc ben, pour cette petite mise au point de début de semaine, et puis on verra si j'arrive à tenir mon challenge de tout finir cette semaine. On se retrouve. J'ai atteint un de mes objectifs donc de la semaine et j'ai terminé. Ah, il ressemble pas à grand-chose. J'ai terminé mon bulbe. Voilà, je vous avais dit, hein, je voulais le finir cette semaine. Et bien hier, je l'ai fait tout de suite. Donc j'ai fait la fleur du Perce-Neige. Je vous avais quitté hier, j'avais fait que. Oui, non, je n'avais rien fait du tout. Je vous remontrais où j'en étais depuis la semaine dernière. Donc ce que j'ai fait, c'est que. Je suis. Ah si, j'avais fait les feuilles quand même. Si, c'est ça. J'avais fait les feuilles déjà. C'est ça, je vous avais montré les feuilles. Je suis venue faire ce petit truc-là qu'on fait autour. Alors. Sur ma première version que j'avais faite, moi tout mon bulbe, je l'ai crocheté en 2,5. Et lorsque je l'avais crocheté en 2,5, j'avais trouvé que c'était trop grand, trop lâche, il fallait faire des doubles brides et ça allait pas, le rendu était pas beau, donc j'avais remplacé les doubles brides par juste des brides. Et cette fois-ci, je me suis dit, bah, je vais le faire avec un crochet numéro 2, et comme ça j'ai pu faire mes doubles brides. Et ici, ça monte plus haut que sur mon premier. Que sur mon premier bulbe, et ici vous voyez c'est plus bas en fait, bon, je sais pas trop si vous allez voir, mais en tout cas j'ai fait avec un crochet 2 pour pouvoir vraiment faire la chose comme c'est expliqué dans le patron. Et ensuite j'ai repris mon crochet 2,5 pour faire mon Perce-Neige, et ça bah, j'aurais pas dû parce que ma fleur elle est trop grande, c'est trop le rendu il est trop grand et c'est pas. J'aurais dû le faire en deux. Comme j'ai fait la petite couronne en dessous. Mais bon, toujours est-il que maintenant c'est fait et j'ai pas l'envie de le refaire, donc voilà. Et de toute façon, même sur sa photo à elle, la fleur elle retombe, donc voilà, je sais rien que je m'embête de trop. Donc on vient faire au crochet, là, on vient crocheter la tige ici, on vient faire ici le truc là.
hein, on élargit, on vient faire les pétales blancs. Alors je peux vous en parler en détail parce que de toute façon cette partie-là elle est disponible gratuitement sur son site. Alors c'est en anglais et en allemand mais c'est disponible gratuitement. Donc on vient faire les fleurs et ensuite on fait une deuxième partie où on vient faire ici cette partie-là en blanc, un petit peu de vert. Alors j'ai rentré mes fils à l'intérieur, vous les voyez, je pense, hein. Vous les voyez bien dedans. Mais je les ai juste glissés à l'intérieur et je les ai pas vraiment rentrés ou cachés. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je l'ai. Sur le coup, je l'ai vu, je fais oh, bah, c'est pas joli. Mais puis, vu qu'elle tombe, franchement, puis bon, je suis pas toujours en train d'aller regarder dedans, donc c'est pas grave. Et ensuite, donc cette partie-là, on vient le faire et on vient la glisser là-dedans et on vient coudre le bazar ici. Alors, je m'en suis rendu compte que tout était trop grand et par rapport à mon bulbe. Et moi, j'ai plié en fait la tige verte et je l'ai repliée, je l'ai cousue pour qu'elle soit plus petite et que ça rentre mieux parce que sinon c'était vraiment trop grand. Et puis, ben, voilà. Alors, voilà, j'aurais dû le faire avec un crochet plus petit. Ça aurait peut-être eu une mieux tenue, tout ça, une meilleure tenue, ça aurait été mieux. Mais j'ai trouvé tellement ça déjà galère de. Parce qu'en fait, la tige là, c'est que 4 mailles qu'on fait. Il y a 12 rangs à faire avec les 4 mailles. J'ai trouvé ça pas évident du tout, du tout. Donc, je l'ai fait une fois, ça m'avait suffi, j'ai pas envie de le refaire. Mais voilà, j'ai mon personnage. Alors au niveau des fils, ici c'est de la Ricorumi, là c'est de la Natura DMC, Natura DMC aussi pour le vert, et le blanc c'est le coton de chez Sostrengren. Voilà. J'aurais pas vraiment plus d'informations, j'ai parfois perdu les étiquettes et tout, donc c'est vrai que j'ai pas le nom des coloris ou autre, mais c'est au moins ça que je peux vous dire. Mais voilà, même si c'est pas le plus beau. Bon, il n'est pas non plus si moche que ça. j'ai fait mon personnage. Donc, ça va être comme la dernière fois. Là, tout de suite, j'ai pas envie de recommencer un bulbe. Ah, puis il y en a une de vous qui m'a fait rire. Elle trouve que juste le bulbe tout seul, ça lui fait penser à une molaire. Ah, moi, j'adore l'idée. J'ai plus qu'à faire un bulbe blanc. Ça fera encore plus une dent. Non, mais c'était rigolo. Moi, j'ai bien aimé. Donc, là, tout de suite, j'ai pas forcément envie de refaire une fleur. Il m'en reste deux. La jonquille et le muscari. Bah là pour le coup je pense que les fleurs je les ferai en crochet 2. Je vais garder mon crochet 2,5 pour mon bulbe, comme ça au moins les bulbes ils seront tous à peu près de la même taille. Mais les fleurs suivantes peut-être que je vais le faire en 2 pour être sûre de ne pas être déçue. Ah là il s'est bien mis sur le côté, mais ouais non il est pas trop mal là. Donc voilà, c'est pour le crochet, au moins j'ai fait un de mes objectifs de la semaine. J'ai avancé sur ma chaussette également, puis je me suis stoppée pour vous montrer. Voilà comment ça se présentait mes chaussettes quand je fais le talon. Voilà, j'en suis au talon. Alors que j'essaie de tout bien mettre, c'est un peu le bazar, hein. Donc j'ai fait mes. Moi j'avais 13 rayures à faire, donc j'ai fait mes 13 rayures. Mes mailles à l'avant de ma chaussette se trouvent sur mon aiguille, ma mini aiguille, ma mini paire de circulaire Xiaogu, 23 cm. Donc je les ai laissées en attente là-dessus. Et je suis en train donc de tricoter le talon avec deux aiguilles du trio Crazy Trio Daddy. Vous savez, ce sont les aiguilles double pointe. Alors à la différence que vous allez me dire, ça ressemble vachement à une mini circulaire. Bah oui, en soi, ça y ressemble beaucoup. C'est juste que là, les aiguilles, elles sont vraiment grandes. Et par contre, il y a vraiment peu de câbles. Vous voyez, le câble, il fait que ça. C'est vraiment fait pour se tricoter avec trois aiguilles. On peut pas. Voilà. Enfin, bref, toujours est-il que là, je tricote donc mon talon avec mes aiguilles là. Mes deux aiguilles. Donc voilà, je tricote tout le talon. Je l'ai bientôt fini. Vous voyez, j'ai passé l'arrondi. Là, je suis en train de faire. La deuxième partie du talon et ensuite je reprendrai toutes mes mailles avec mon aiguille rouge là, ma mini circulaire. Et puis après bah, donc l'objectif aujourd'hui c'est de finir mon talon parce que bon c'est quand même un peu risqué de laisser tout comme ça c'est un risque de perdre des mailles tout ça, mais je voulais vous montrer un peu comment c'était disposé parce que j'ai vraiment beaucoup de questions sur mes chaussettes. Donc voilà, ça je vais finir mon talon, puis comme ça va revenir en rond. Et donc j'ai plus que. Voilà, ça c'est la première chaussette, donc j'aurai plus qu'à tricoter tout ça.
pour épier mes côtes et pour j'aurai fini ma chaussette. Donc bon, ça devrait être jouable, hein. Sans si je m'arrête que je ne fais que ma chaussette, elle sera terminée. Voilà. Et ensuite, au niveau du châle. Alors hier, j'en étais où? Ah oui, si, j'avais changé, je vais bouger mon Progress Keeper devant vous, donc je sais où j'en suis. Alors que je vous montre ça. Hop. Mon petit chat, il est là. Donc je vous avais quitté, ah oui, dans cette partie-là avec les jetés. Donc c'est un mix entre deux motifs où il y a des jetés et puis le motif où il y avait des rayures. Voilà ce que ça donne. Donc bah, c'était sympa, on s'ennuie pas trop, ça. Voilà, un coup on fait des jetés, un coup on fait des rayures, donc c'était pas mal à faire, ça se fait assez bien. Et maintenant je suis repartie dans la dentelle. Donc moi j'ai mis des marqueurs à chaque répétition, entre chaque répétition de motif. Donc là j'ai mis des ampoules parce que ben, il faut quand même pas mal de marqueurs, parce qu'il y a quand même pas mal, il y a de plus en plus de mailles. Et puis comme il va aller en augmentant, je sais qu'il va falloir rajouter encore des marqueurs. Donc là ces petits marqueurs ampoules, c'est vrai que j'en ai beaucoup. On en reçoit souvent quand on fait des... Comment on appelle ça? Quand on passe des commandes, hein, par-ci par-là, souvent c'est ce qu'on a en cadeau. Donc moi je les mets tous dans une boîte et c'est vrai que c'est vachement pratique. Donc là moi ouais, j'ai mis des marqueurs pour différencier mes motifs. Et je suis contente, je ne suis pas la seule, que quand on vient, je vous avais dit, on fait le motif une fois et puis après on le décale. Bah, la deuxième fois c'est très perturbant. Et donc je suis contente parce que je ne suis pas la seule que ça a perturbé. Donc là, la dentelle, on va ici, on répétait 3 fois le motif. Et bien là, sur la dernière partie, on répète 4 fois le motif au total. Voilà. Mais là, ça devient bon parce que c'est la dernière grosse section à faire. On fait toute la dentelle et après il y a une petite section et après on rabat, je pense, en I-cord. Je n'ai pas trop regardé, mais je pense que c'est un I-cord puisqu'on en a un tout le long ici. Vous voyez? On a tout le long. Et d'ailleurs là, donc la dentelle, elle se tricote qu'avec ma couleur 2. Donc là, on va tricoter toute la dentelle avec cette couleur-là. Donc c'est même si, vous voyez, j'en ai beaucoup plus hein, que ma première couleur. Mais là, comme on fait quand même un sacré morceau de dentelle, ça devrait pas mal diminuer. Et sur le coup, je me suis dit, parce qu'en fait, c'est marqué hein, qu'on doit toujours, on croise les fils derrière pour faire suivre le fil. Et je me suis dit, mais pourquoi je vais pas couper? Pourquoi je coupe pas mon fil, donc couleur caramel, pour... Bah, parce que ça joue à... on va vraiment faire une grande section. Je me dis, mais pourquoi je vais faire suivre mon fil tout le long alors que je vais faire que de la dentelle avec une seule couleur? Mais c'est parce qu'en fait, on fait donc l'i-cord. Ah, c'est ça que j'essaie de vous dire. Mais j'ai oublié en fait ce que j'étais en train de dire. Là, on a l'i-cord qui se poursuit et c'est pour ça qu'on va le finir en fait. Et donc, parce qu'on poursuit l'i-cord avec sa couleur première, on coupe pas le fil. Mais je me rends compte en fait que moi, à chaque dentelle, bah, j'ai toujours fait mon i-cord avec la couleur de la dentelle en fait et non avec la couleur demandée. Moi mon fil je l'ai fait suivre dedans, j'ai croisé le fil à chaque fois, mais c'est pas avec la couleur 1 que j'ai tricoté mon i-cord. Enfin, je me rends compte que j'ai pas que c'était pas ça qu'il fallait faire en fait. Mais en fait c'est parce que moi j'ai suivi le diagramme et sur le diagramme bah, c'est pas marqué que il n'y a pas marqué ça qu'il y a ce changement de couleur sur le diagramme, je suis en train de me dire. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait attention. Moi j'ai tricoté tout mon diagramme avec une seule couleur tout en faisant suivre derrière mon fil. Et c'est pour ça que là je me disais, ah bah ça sert à rien. Mais en fait là, et là je suis en train de le faire là. Je me suis dit, bah si, j'ai regardé, j'ai vu une photo et j'ai bien vu que c'était sa couleur 1 qui faisait tout l'icône. Donc je me suis dit, c'est pour ça que je coupe pas le fil parce que je vais faire tout l'icône le long. Mais j'ai pas fait ça. Bon, c'est pas grave. Ça sera la particularité de mon châle. Vraiment, vous voyez, ici en fait, donc mon i-cord, aurait dû être de cette couleur-là. L'i-cord ici. Bah, chez moi, il n'y est pas. Il le sera pour la fin. C'est pas grave. Parce que c'est vrai que sur le coup, je ne comprenais pas pourquoi on ne coupait pas le fil. Parce que c'est vraiment quand même une longue distance à faire. Mais non. Donc voilà, on va faire on poursuit l'i-cord. Et après, on a une dernière section. Et on viendra rabattre les mailles, je pense. Donc en faisant l'i-cord, qui sera la suite de celui-là. Parce que le châle, quand on va le porter, il sera... Alors si je lâche tout, ça va pas. Hop, vous voyez, on le porte comme ça. On met cette bordure-là, qui est une bordure simple au niveau du cou. Et la bordure avec la corde, ça sera la bordure vers le bas. Voilà. Mais voilà, je me rends compte que j'ai fait des bêtises avant. Bon, c'est pas bien grave, hein, vous allez me dire.
c'est pas bien grave. Donc ben là aujourd'hui comme je vous ai dit, donc finir le talon, passer le talon pour être sur ma tige de chaussette et puis avancer sur ma dentelle, ça me paraît pas mal. Maintenant que tout est emmêlé, je vais démonter un petit peu tout ça. Je vous retrouve. Alors hier j'ai oublié de dire ce que je portais. Hier je portais sur moi mon Love Note que j'ai tricoté en haricot irisien et en Knitting for Olive pour le mohair et soie. C'est un pull que moi j'ai rallongé parce que normalement il est crop, c'est un crop top donc il est assez court. Mais moi je l'ai rallongé pour qu'il soit assez long, qu'il soit plus comme un pull. Par contre j'ai des manches, des demi-manches. Alors c'est vrai que ben, pour hier ça a fonctionné bien parce que ben, j'avais ni trop chaud ni trop froid. Il était vraiment parfait pour la journée d'hier. Mais j'avais complètement oublié de vous en parler. Et aujourd'hui je porte mon pull. Mon pull. Atyrium de Malorae que j'ai tricoté dans les laines de The Woolly Skin. Woolly Skin, je crois, on dit. Dans sa base cocon, donc c'est mérino et soie, et c'est. Voilà. Mon petit pull printanier par excellence. D'ailleurs, en parlant de petit tricot printanier, je ne l'ai jamais montré, mais je peux enfin vous montrer parce qu'il est sorti aujourd'hui. C'est la semaine des sorties entre au début de me, je vous ai montré mon gilet et Anya. Et là, je peux enfin vous montrer le châle Kinemon, je ne sais pas si on dit comme ça, mais de Marianne Munier qui vient de sortir pour la marque de laine Quincenco. Enfin, c'est pareil, je suis pas sûre comment on le dit. Enfin bref, toujours est-il que voici ma version que j'avais pu tester en octobre et novembre dernier, donc ça commence à dater. Mais voilà, je peux enfin vous le montrer, il est vraiment d'une douceur incroyable. Moi je l'ai tricoté dans de la teinture lurée, dans sa base Méri Kid, et c'est vraiment chouette. Donc il va avoir sa petite vidéo dédiée dans les semaines à venir, parce que finalement il y a beaucoup de sorties d'un coup, donc je mets pas tout en même temps. Bon bah ça, une vidéo, comme elle est déjà tournée, je peux vous dire, elle va être vraiment courte, mais c'est vraiment un modèle tellement simple, et puis c'est vrai que j'ai tricoté il y a tellement longtemps que j'ai oublié de... Bah, j'en oublie de comment on l'a tricoté tout ça, mais c'est vrai que c'était vraiment un modèle très très simple. Voilà. Donc, je sais pas, ça peut être trop ton sur ton avec mon pull. Mais un très joli corail, le coloris Sunset Lover de teinture lurée. Enfin, voilà. Oh, il est trop doux, il est trop doux, j'adore. Ah oui, donc aujourd'hui, on est mercredi, je vous ai sorti la vidéo sur le pull Wannabe, sauf qu'en fait, j'ai chargé une autre vidéo et que vous aviez eu donc le vlog de dimanche dernier. Et je m'en excuse, vous avez été nombreuses à me dire oh, c'est pas la bonne vidéo. Donc heureusement on a la fibre, heureusement ça a très vite, j'ai supprimé l'autre, j'ai remis la bonne vidéo, le pull wannabe est sorti. Mais voilà, c'est la première fois que ça m'arrive, il fallait bien que ça arrive une fois, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bon. Voilà, ce sont des bêtises qui arrivent, c'est pas grave. Alors aujourd'hui j'ai avancé un peu sur ma chaussette. Ah bah oui, comme promis hier, hein, je vous l'avais dit hier, je voulais passer le talon pour. Parce que je vous avais montré mon talon en cours, mais je vous avais dit je vais pas le laisser comme ça, c'est trop dangereux, je vais perdre des mailles. Donc j'ai fini mon talon que je fais donc en rang raccourci. Et j'ai bien tricoté quand même ma tige, hein, regardez. Donc là on voit bien que c'est quand même pas les deux mêmes couleurs, donc je suis contente, il y a quand même un contraste entre les deux, j'aime bien ça. Parce que bon, il y a j'ai des chaussettes hein, où le contraste c'est la même couleur que l'une des rayures de la laine auto-rayante, et quand ils se retrouvent ensemble, ben, on fait pas la différence. Mais là on voit la différence et moi je suis contente. Donc voilà, je suis en train de faire mes rayures pour ma tige, et en fait j'ai compté, j'ai autant de rayures à faire que sur le pied. Voilà. Donc là j'en ai fait 2, 4, 6, 7, je suis en train de faire la huitième là. Et donc j'en ai 13 à faire. Il m'en reste encore 5. Bon, je sais pas si je la finirai aujourd'hui, je verrai bien. Soit c'est devenu mon petit tricot le soir devant la télé, parce qu'en fait je suis dans la dentelle pour mon châle. Donc comme c'est soit je suis mon diagramme et ma dentelle, ben, je vais en reparler après. Mais bon bref, celui-là il est vraiment zéro cerveau, donc je privilégie celui-là devant la télé. Voilà, donc ma petite chaussette qui avance bien, hein, je vous avais dit, on est mercredi, l'objectif c'est de la finir avant la fin de la semaine. Pour la fin de la semaine, je serais vraiment contente, c'était mon objectif durant mes vacances. Mais bon, j'ai beau, je suis en vacances et mon cerveau avec, et donc je ne publie pas les bonnes vidéos. Voilà. J'ai donc avancé sur la dentelle de mon châle, et voilà ce que ça donne aujourd'hui.
Voilà, donc je vous avais quitté. Bon, j'étais vraiment au tout début de ma dentelle. J'ai répété un motif, j'ai commencé le deuxième. Vous savez, c'est ce passage que j'aime pas parce qu'on décale le motif et moi je trouve ça que c'est un peu perturbant, mais c'est pas grave. C'est voilà, maintenant que je suis repartie dans, c'est le rang où on change qui me perturbe un petit peu, mais après ça repart bien. Donc voilà le rendu. Alors oui, je pourrais regarder la télé tout en faisant mon châle parce que le, vous voyez quand. Là, il y a le rang avec les trous-trous, donc c'est le rang qui demande le plus de réflexion, mais entre les deux, ben, il y a bien 3 ou 4 ans. Il doit y avoir 4 ans où il se passe pas, où c'est. On tricote comme les mailles, elles sont. Donc c'est vraiment 4 ans qui sont faciles à faire. Et il n'y a que les rangs où il y a les petits trous-trous et encore plus de réflexion quand on est à ce moment-là, vous voyez. Là, maintenant, mes trous-trous, ils sont là, ils se sont décalés. Alors là, celui-là, il faut vraiment de l'attention. Et donc, hier soir, comme j'étais arrivée à ce stade-là, à ce stade où on changeait, c'était soit je regardais mon film ou soit je tricotais. Bon, j'ai choisi le film. Et donc, voilà. Mais hop, c'est vrai que c'est quand même une dentelle qui, je trouve, se tricote facilement en faisant autre chose. Il y a quand même pas mal de rangs où. C'est pas compliqué, et puis en fait, même la dentelle en soi, elle est vraiment pas compliquée, elle est vraiment simple, mais elle a un très très beau rendu, et j'aime beaucoup ce côté arrondi. Ah, vous avez trouvé bêtement, je trouve que ça fait des coquilles. Dans ma tête, moi je pense à des coquillages. À y savoir pourquoi, mais pour moi, je trouve que ce côté arrondi, ça fait coquillage. Voilà. Mais bon, bah aujourd'hui, on va continuer la dentelle, hein. Je sais pas, est-ce que je. Bah oui, peut-être retricoter un motif complet. Voilà. Là, on est quand même déjà mercredi. La dentelle, si j'avance que par un motif, ben, il y a encore 3 motifs. Donc, ça me ferait encore 3 jours. Et donc, ça ferait mercredi, jeudi, vendredi. Il me resterait plus que samedi, dimanche pour essayer de le finir comme dans mon. Il va falloir quand même se bouger un petit peu pour essayer de le finir, comme j'avais dit, dans les temps cette semaine. Bon, après, c'est pas grave. Hein, si j'ai pas réussi à le finir cette semaine, ça sera fini la semaine prochaine. Et c'est pas bien grave. C'est pas un problème. Mais moi, j'aime bien parfois quand même me mettre un petit challenge qui va pas me mettre une pression de folie. Hein. Faut, voilà. Un petit challenge qui est quand même normalement assez abordable, accessible. Et que même si je le finis pas comme j'ai prévu, bah, c'est pas bien grave. Il n'y a pas de souci. Mais j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup la forme qu'il prend. Là, ce rendu-là, là, j'aime bien. Il va être vraiment très beau comme modèle. Ah, bah je n'en doutais pas, mais de le voir apparaître quand même petit à petit, j'aime beaucoup. Voilà, donc bah je vais aller tricoter ça et puis on verra demain où j'en suis. Je vous retrouve et vous pouvez pas savoir, mais c'est le matin. Il est 9h. Je me suis dit que voilà, comme je travaillais pas, j'avais le temps de venir tôt. Pour une fois, de venir vous montrer ce que j'ai tricoté depuis hier. Et je reviendrai plus tard dans la journée vous montrer ce que j'ai réussi à tricoter dans la journée. Sachant que voilà, j'avais des choses à faire, mais j'ai été levée très tôt ce matin, donc j'ai fait très tôt tout ce que j'avais à faire. Je me suis motivée, je me suis dit si je fais tout maintenant, après je serai tranquille. Donc voilà, c'est chose faite. Le grand ménage de printemps a été fait à l'étage. Et je vais pouvoir maintenant me poser et tricoter. Alors, bah, toujours sur mon châle, hein, il n'a pas changé. Moi, je ne vous ai pas montré, je l'ai mis dans ce petit sac-là. C'est un sac Petite Mountain. Alors, je sais qu'en ce moment, elle n'en fait pas. Il me semble qu'en ce moment, elle ne fait plus de confection de sac. Et bon, voilà. C'est vrai qu'elle avait sa touche à elle, là. Ses illustrations sont vraiment magnifiques. Mais à guetter si peut-être que plus tard elle en refasse. Mais je sais qu'on m'a demandé plusieurs fois et j'aime bien l'impression qu'en ce moment, il n'y en a pas disponible à la vente. Donc, ben hier j'avais fait, j'étais toujours dans ma dentelle, j'avais passé un motif et voilà aujourd'hui où j'en suis. Je suis toujours dans ma dentelle. Alors hier j'en étais là, hop, vous voyez. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 motifs complets. Voilà, j'ai fait celui-là où on fait le décalage. J'avais fait un rang ou deux. Donc j'ai fini celui-là et on reprend dans le même sens. Alors j'ai moins de mal au changement à celui-là, en fait, à repartir sur le. Alors je vous le dis, parce que je vous le disais, hein, moi j'ai toujours un peu de mal quand le motif il est là puis il se décale là, bah, j'ai pas de mal quand il revient à la place initiale. On va aller savoir pourquoi. C'est pas grave, hein.
Sauf que là, ben, il y a encore un motif et puis l'air décalé. Mais bon, c'est souvent le premier rang, ça va aller. Et je crois que, ben, moi là, j'avais mis des marqueurs sur tous mes rangs et je crois que là, au prochain, je vais faire le changement puis je vais enlever mes marqueurs parce que c'est ce qui me perturbe, c'est que mes marqueurs soient plus placés comme avant et ça me perturbe dans mon motif. Mais bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à moi-même, hein. C'est mon ressenti à moi. De toute façon, il y en a, ils pourraient tricoter peut-être ça très bien sans que ça les perturbe pas du tout. Moi, ça me perturbe et c'est tout. Alors, je peux pas faire autrement. Voilà. Enfin, il avance bien et il va avoir vraiment une bonne longueur. Je suis contente parce que je sais que Nathalie, elle tricote un peu lâche. Alors, j'ai pas changé ma taille d'aiguille. J'ai pris les aiguilles recommandées. C'était des 3,75. Mais bon, il a vraiment une bonne ampleur. Je suis contente de ne pas être montée en 4 parce que quand même que ma laine, elle diminue pas mal. Alors, je me dis que si j'avais pris une taille d'aiguille juste au-dessus, ben, peut-être que j'aurais été juste, je sais pas. Mais même si, ouais, je sais que Nathalie, normalement, elle tricote quand même plus lâche que moi. Mais voilà, je trouve que là, franchement, bah, en taille, il m'a l'air vachement bien. En quantité de laine, ça m'a l'air pas mal aussi. Donc, on est bon, on est bon. Donc là, j'ai un motif de dentelle à finir. Après, il y a une section, mais je sais pas du tout laquelle que c'est. Voilà. Si, ça, il me semble. Alors, on fait un. Je vais ravoir des trous-trous. Une rangée de trou-trou et je sais pas, je dirais que quand je regarde sur les photos, je dirais peut-être bien que c'est cette section-là. Je sais pas, j'ai pas regardé plus que ça. Donc bon, bah ça sera la surprise, bah certainement dans la journée, hein, parce que je sais pas, il n'y a pas, il y a même pas 200 mailles sur l'aiguille, donc c'est pas non plus extrêmement trop long à tricoter, ça se tricote quand même assez bien. Et puis là, la dentelle, elle est vraiment répétitive. On l'a bien en tête, il n'y a pas de souci. Faut juste être vigilant. C'est bien à chaque fois, c'est là le. Vous voyez ici, le motif, il est. Bah, il s'adapte avec le nombre de mailles qu'on a. Vous voyez, c'est bien pensé, c'est bien travaillé. Donc ça, bon, enfin, je peux pas l'imaginer. Moi, je suis très bien ce qui est écrit sur le patron. Et puis voilà. Alors, sur l'histoire de l'I-cord, que moi, je ne l'ai pas fait de la bonne couleur, j'ai regardé mon diagramme. C'est vrai que si on suit le diagramme, il n'y a aucune indication sur le fait qu'il fallait changer de couleur. Et c'est vraiment que si on fait le rang par rang, c'est bien marqué qu'avec L1, vous faites les trois premières mailles. Puis après, on fait avec L2, L1, L2, quoi. Et voilà, donc ça, sur le rang par rang, c'est écrit. C'est vrai que ça, c'est pas écrit sur le diagramme. Mais bon, ma foi, c'est pas trop grave. Hein. Franchement, c'est pas. C'est qu'une petite erreur qui embête vraiment pas le monde. Et puis maintenant, moi maintenant que j'ai fait l'erreur et que je l'ai dit, si vous faites le châle, et ben vous ferez pas la même. Voilà. Donc on se retrouve. Ah oui, je porte. Avant qu'on se retrouve, je porte mon gilet All Romance. Ben voilà, j'aime bien. J'aime bien parce que comme je me suis activée ce matin, je savais que j'allais faire un bon gros ménage. Je me suis dit, je vais pas mettre un pull parce que je vais avoir chaud. J'ai mis un t-shirt, j'ai enlevé mon gilet parce que justement j'ai eu trop chaud. Et puis une fois que je me suis arrêtée, et là, oh, vu que tout l'étage j'ai aéré tout ça, je me suis, oh, il fait un peu froid, donc j'ai remis mon gilet. Donc le All Romance de Rory Locatelli que j'ai tricoté avec la laine La Féfile pour ici. Et ici de la Malabrigo Sock que j'avais gagné chez Lil Weasel. Je m'en souviens encore, ça m'avait. Oh, j'étais mais émerveillée. Le concours était de faire un panier, un panier sur le site de Lil Weasel au maximum 100 euros. Donc voilà, j'ai fait un panier dans les 90 euros et des poussières. Et j'avais gagné. Et on était trois à être tirés au sort, un truc de folie. Et j'avais mis trois écheveaux de ça et j'avais mis des crochets aussi. Enfin, bref, j'étais. Ah là là, je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais été hyper contente de gagner ce concours-là. Voilà. Enfin, vous en fichez, hein, mais je vous le partage quand même cette petite anecdote, cette histoire. Voilà. Je vous retrouve quelques heures plus tard. Il est 15h30. Voilà. Donc, bon. 6 heures plus tard. Ben, j'ai tricoté, hein, forcément, entre deux, et j'ai réussi un deuxième objectif de la semaine, c'est-à-dire que j'ai terminé un tricot. Et oui. Non, c'est pas le châle. Non, faut pas exagérer. J'ai fini une chaussette. C'est celle-là que je. Oui. J'ai fini ma deuxième chaussette. Voilà. Donc, j'y avais pas touché depuis la dernière fois que je vous l'avais montré. J'avais fait 5 rayures ou 6. J'y avais pas retouché. Et là, je me suis dit, j'ai fini ma section, une section sur mon châle, je vous le remontrerai après.
Et je me suis dit, bah, c'est tout, je laisse le châle de côté, mais j'avance sur ma chaussette, je la prends et je la termine. Ça faisait partie de mes objectifs de la semaine, il fallait le faire quand même. Donc voilà, je suis contente, c'est chose faite. Voilà, deux chaussettes. Hop, hop, hop. Donc pareil, pas pareil, forcément. Vous voyez, elle commence pas par la même rayure. Et donc elle commence pas par la même rayure, voilà, tout simplement. Mais franchement, c'est pas choquant. Et en plus, le fait qu'elle commence toutes les deux par une rayure bleue, je pense même que de loin, on n'y fait même pas attention. C'est sur la deuxième chaussette que je me suis rendu compte quand même que la rayure par laquelle j'ai commencé ici au niveau de la pointe, c'était celle juste avant le talon et que celle qu'on avait juste après le talon, c'était la dernière à laquelle je terminais ici aussi. C'est rigolo, hein? Enfin, moi j'ai trouvé ça rigolo. Et donc j'ai la même chose ici, hein. Je m'en étais pas rendu compte à la première. Là c'est bleu et là c'est bleu et là hop, on a la rose après le talon et j'ai fini par la rose également. Donc voilà, bah les deux mêmes chaussettes identiques en termes de rang, tout ça, c'est la même chose. Il me reste 1 gramme à peine du contrastant et même pas 2 grammes de la laine autoriante. Donc voilà, un bon rendement, j'ai pas de reste. Alors par contre, j'ai un grand fil là, il faut que je rentre mes fils. Je vais rentrer mes fils et je vais les porter sans me soucier de les laver et de les bloquer. Je m'en fiche. Elle est tellement douce que ça donne juste envie de les mettre au pied. Donc, vous voyez, la laine, le point, il est vraiment bien lisse. Donc, de toute façon, les laver, ça ne changera rien du tout au tricot. Donc, je vais les porter directement, puis elles seront lavées après que je les ai portées. Donc voilà, une paire de chaussettes en plus, faites donc avec une bulle de laine de mousse et un de ces mini. Comme je vous avais dit, bah, je suis contente parce qu'on voit quand même bien le contraste entre la couleur contrastante que j'ai pris et la rayure ici qui est dans la laine auto-rayante. Et donc c'est pareil ici. On voit quand même bien la différence, donc c'est pas mal. J'aime bien une chaussette de plus. La dernière fois, je me suis rendu compte que j'ai quand même fait déjà pas mal de chaussettes cette année. Mais je vais continuer, hein, je m'arrête pas. Je vais en remettre une autre sur mes aiguilles. Une laine que vous avez encore jamais vue. Je vous la montrerai quand je commencerai. Mais et ça s'annonce complètement fou. Une paire de chaussettes complètement fun. J'adore. J'adore l'idée de la faire. Bon, bref, je vous montrerai ça certainement la semaine prochaine. Et mon châle, ben, comme je vous ai dit, j'ai fini une section. Et donc, j'ai pas fini n'importe quelle section. J'ai fini la dentelle. Ça y est. Donc je vous avais quitté ce matin. Hop, il y a plein de fils qui gênent. J'en étais là. Donc il m'a fallu finir tout ça. Bon bah voilà. Un sacré morceau de dentelle. Hein. Franchement, ça rend super bien. C'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup le rendu. En plus j'aime bien parce que quand même dans la dentelle, on voit bien toutes les nuances de la cou des couleurs de la laine. Vous voyez, il y a des zones plus orangées, mais il y a des zones un peu plus grises et ça rend vraiment très bien. Ça met bien en valeur quand même la laine aussi, donc je suis contente. C'est vraiment très joli. Vous voyez, c'est tout rabougri. Hein. Là, il va vraiment falloir. Donc, c'est ce qu'on appelle le blocage, c'est-à-dire que le laver, donc le tremper dans de l'eau pendant 20 à 30 minutes, l'essorer dans des serviettes. Et là, il va falloir l'épingler bah, avec des petites épingles, tout simplement. Moi, ça s'appelle des épingles ou des peignes de blocage de la marque. C'est Nid Pro qui fait des peignes de blocage. Je sais pas s'il y a d'autres marques qui le font. Enfin, bref, toujours épingler pour bien étirer le tricot et qu'il prenne voilà, il va de ce fait là s'allonger, la dentelle va se déployer et bien se révéler, voilà. Et donc là, ça va être vraiment nécessaire pour ce projet-là. Mais comme en fait, comme beaucoup de châles, ils ont souvent besoin d'être épinglés au moment du séchage pour qu'ils prennent leur forme. Enfin voilà, donc là j'ai regardé un peu ce qu'il me fallait faire, je suis tout emmêlée dans les fils. Alors au niveau de la laine, ça diminue. Hop. Voilà. Alors maintenant c'est cette couleur-là, ma couleur Miss Claudine, qui est plus petite que Miss Carabouille. Je vous avoue que là, je commence à être un petit peu tendue. Je me dis, bon, j'ai confiance au patron. Hein. Normalement, ça devrait passer. Puis si ça passe pas, bah, il sera un chouïa plus court, c'est pas grave. Donc comme je vous avais dit, là, je vais avoir une rangée de trou-trou à faire. Je vous montre sur l'envers. Non, vous voyez quoi là? Ah bah oui, c'est l'envers. Donc là, juste une rangée. Juste une rangée de jetés.
Bon, bah, vous avez compris, hein, une rangée de jetés seulement. Et ensuite, on refait le motif. Alors, j'ai été voir, c'est ce motif-là. Celui-là. Donc, les deux couleurs. Donc, les deux vont encore... voilà. Alors, ça sera une bande moins large que ce qu'il y a là. Ouais, moins large. Je sais pas je sais plus combien j'ai fait de rang là et je sais pas combien je fais de rang après, mais voilà. Donc, s'il n'y a plus que ça à faire et il sera fini. Oui. Donc voilà, hein, bah là je vais continuer à tricoter un petit peu. Je vais accompagner mon chéri à son tir à l'arc. Donc ça va être la bonne section là. Ça va être justement parfait pour tricoter et faire autre chose. Voilà, le regarder tirer, tout ça, parler avec des gens. Donc je suis contente, ça va être une section facile, facile à tricoter en fait. Quasiment du zéro cerveau. C'est pas... Voilà, c'est quelque chose... Et puis, quand on est arrivé, donc ça va être la combien de fois que je vais la faire, celle-là? Une, deux, trois... Ça va être la quatrième fois qu'on l'a fait. C'est rentré dans la tête, en fait. C'est un petit rythme très facile à retenir. Maintenant, on a l'habitude et c'est bien. Donc, c'est vraiment un patron dans lequel on s'ennuie pas. Voilà, avec le changement des sections, on s'ennuie pas, tout ça. Mais je me rends compte quand même que j'aurais mis autant de temps à faire ce châle-là qu'à faire mon pull wannabe. Là, il n'y a que deux échevaux et dans mon pull wannabe, j'avais mis 5 pelotes, donc 2 échevaux et demi, plus un écheveau de. Quasiment un écheveau de couleur de contrastant. Bon. 3 échevaux. Ah, j'avais fait un pull en 3 échevaux et demi, on va dire. Allez. Un petit 3 échevaux et demi. J'ai fait un pull en 2 semaines et là, 2 échevaux, mais voilà, de la dentelle, de la texture, tout ça. Il m'aura fallu 2 semaines aussi. Hein, comme quoi. Bah le jersey, en fait, ça se ricote tout seul et ça se ricote beaucoup plus vite. Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte mon gilet Clap-Hans, un modèle de By Night de Nathalie. C'est un grand gilet, hein. Il est vraiment très très long. Et avec toute une encolure, un col, châle et une encolure tout en brioche. Et qui se tricote avec un fil de fingering et un fil de mohair. Donc ça donne une brioche bicolore. Dans mon cas, moi, bicolore, bimatière, puisque mon mohair est non teint. Et j'avais pris la Blasmine Kiwi en... C'est un bain d'épuissement de cochenille, je crois. Et je sais pas si vous allez voir, ça fait des rayures aussi, puisque on tricote un rang avec le mohair, un rang avec le fingering, on a des rayures. Un gilet vraiment tout doux, tout chaud, tout bien et que moi j'aime beaucoup parce que il est tellement, il tient chaud mais il est super léger parce qu'il y a au gramme, il y a même pas 250 grammes de laine dedans. Donc voilà, voilà. Comme hier, je vous reprends, il est 9 h également. Sauf qu'aujourd'hui j'ai pas fait de ménage et que je me suis levée un peu plus tard et voilà. C'est pour vous montrer, donc entre ce que je vous ai montré hier, il était 15 h 30 je crois, à peu près, voilà. Et ce matin, bah, j'ai tricoté et j'ai quand même relativement bien avancé. J'ai suivi mon chéri à son entraînement de tir à l'arc hier, j'étais au soleil, j'étais super bien installée. Et j'ai bien avancé sur le châle, je me rends compte hein, que la dentelle, ça prend plus de temps à tricoter. Même si elle est simple, c'est vrai qu'on doit regarder davantage son tricot. C'est pas compliqué, hein, mais ça demande un peu plus d'attention et donc moins de rapidité, ça se voit parce que j'ai trouvé quand même que j'ai été beaucoup plus vite sur la dernière section. Alors elle n'est pas finie encore, mais franchement, ça ne saurait tarder. Alors, tout est. J'ai un peu de mal avec les deux fils qu'on tricote ensemble. Ils sont tout est emmêlé dedans. Hop. Hop. Voilà. Tada! Donc la dentelle hier, je l'ai finie, hein, je vous l'avais montré, je venais juste de la finir. Donc la petite rangée de jetés et cette fameuse section que j'aime bien aussi, c'est chouette. Ça se tricote bien en fait, hein, c'est très répétitif tout ça et ça se tricote vite en fait puisqu'il y a plein de rangs. Il y a des rangs où on fait que des mailles en droit. Après il y a des rangs, bah, c'est des mailles en droit et des mailles glissées mais ça va vite. Ben, ça demande moins de réflexion en fait, c'est vraiment comme une petite danse et ça se répète bien et donc voilà. Ouais. Il me reste encore... Alors, j'ai deux fois, une, deux, trois. Il me reste... Donc ça me fait 3 rangs à faire.
Et puis je rabats. Voilà. Et il sera fini. Il sera fini. Donc je pense que c'est un rabat en I-cord, hein. L'I-cord qu'on a tout le long ici. On va venir le prolonger là pour le rabattre. Pour faire le rabat. Donc voilà, il me reste plus que ça à faire. Bon ben. Là, je me fais pas trop de soucis, hein. Ça va être fini aujourd'hui, c'est bon. J'avoue que quand j'étais dans la dentelle, hein, il m'a fallu quand même. C'est parce qu'hier j'ai quand même beaucoup tricoté, mais il m'avait fallu quand même du temps. C'est parce que je travaillais pas cette semaine que j'ai avancé aussi bien. Parce que si j'avais travaillé, j'aurais quand même avancé moins vite dessus et j'aurais pas pu le finir cette semaine. Là, bon, bah, j'étais en repos, forcément j'ai eu plus de temps, donc j'ai bien avancé. Mais cette section-là, elle avait quand même pris plus de temps que les autres à faire. Après, les plus grandes aussi, hein. Ça met vraiment bien en valeur. Je trouve que chaque couleur, voilà, sont bien mises en valeur. C'est vraiment bien le rendu. C'est vraiment bien le rendu tout ça. Donc voilà, là je vais finir mon châle. Et puis on se retrouve après pour le voir fini. Je vous retrouve 1 heure plus tard et troisième objectif de la semaine terminé. Voilà. Il est fini. Ça y est, regardez. Oh, ça y est. Bon bah c'est bon, ça m'a pris 1 heure. Il a fallu faire les 3 derniers rangs et le rabat tout en I-cord, comme je vous avais dit. Il me semblait bien que c'était ça. Donc l'I-cord qui se poursuit là de tout le long. Hop, jusque là. Voilà, il est terminé. Bon, bah, il a vrai. Alors, niveau longueur, il est déjà long. Franchement, il a déjà une bonne longueur, mais c'est surtout dans la profondeur qu'il va devoir s'étendre. Donc, je m'en vais le laver tout de suite. Je vais aller lui faire prendre son petit bain tout de suite et puis le mettre à sécher, tout l'épingler pour qu'il se mette bien en forme dans la foulée. Comme ça, hop, à la fin de la semaine, il sera prêt à être porté. Voilà, une bonne chose de faite. Ah, je suis contente, j'aurais réussi à faire tout dans ma semaine. Bon, après, j'étais en vacances, hein, forcément, j'ai pas mal tricoté, mais voilà, une semaine où j'ai fini quand même 3 projets. J'ai fini mon bulbe, j'ai fini mes chaussettes et j'ai fini mon châle. Je vais pouvoir commencer plein de nouvelles choses. C'est nickel, ça, parfait. On va pouvoir commencer plein de nouvelles choses pour la nouvelle semaine. Ça, c'est chouette.
Ça y est, mon châle est en train de sécher, donc je vous ai filmé le lavage, l'essorage et le blocage, ce qu'on appelle donc le fait d'épingler. C'est le blocage, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, donc je vous ai filmé un peu toutes ces étapes pour une fois que j'avais le temps de le faire et que je le fais pas à la va-vite entre deux choses. Voilà, je l'ai filmé pour que vous le voyez. Donc bon, il va rester là pendant une à deux journées et je pourrai en profiter après. J'ai rentré mes fils avant de le laver. Bon, il n'y a pas beaucoup de fils à faire, mais je l'ai fait avant parce que moi, je trouve que, vous voyez, le châle s'étend super bien une fois mouillé, tout ça. Donc, les fils, bon, pour moi, je trouve qu'ils vont bouger. Ils bougent. J'ai toujours eu cette impression-là. Moi, je trouve que les fils, ils bougent quand on va venir le déployer au sol. Et donc, je coupe qu'après. En fait, je les rentre bien. Je le mets à sécher comme ça. Et une fois qu'il est bien sec, je viendrai couper tous les fils qui dépasse parce que j'ai déjà eu le tour avant de rentrer, de couper, et en fait le fil, il serait, c'est comme s'il se rétractait, il bouge quoi, et donc en fait il se défait un petit peu. Ça sera tout pour cet épisode, on aura fini trois projets, c'était quand même pas mal, c'était bien, je suis contente d'avoir tenu mon objectif. J'ai douté un peu à un moment parce que quand elle était longue, même si elle était super agréable à tricoter, je me suis dit, ah, je vais peut-être pas y arriver dans mon temps imparti pour que ça rentre dans la vidéo, que j'ai le temps de vous le montrer avant la fin de ce vlog, mais si, j'ai réussi. Forcément, j'ai des nouvelles choses sur mes aiguilles, je ne peux pas rester sans tricoter. Moi, tricoter, c'est vraiment. J'ai besoin de ça au quotidien. J'aime pas ne. Je vais pas être capable de regarder un film sans tricoter, donc je suis pas une grande passionnée de cinéma parce que j'ai du mal à rester. Dans un fauteuil, devant un grand écran et pendant 2 heures, et si je peux pas tricoter, ça me. Ça, voilà, moi je tricote tout le temps, tout le temps. Si on va faire de la voiture, je vais tricoter. Si on est qu'entre nous et qu'on bavarde, je vais tricoter. Si je vais voir des gens, tout ça, quand on voit des gens, quand on reçoit des gens, je tricote pas. Mais voilà, moi au quotidien, je tricote beaucoup, donc forcément, j'ai des nouvelles choses sur mes aiguilles. Entre autres, ça va être une nouvelle paire qui va débuter. Donc, je tenais à remercier encore Danielle parce qu'elle m'avait donc envoyé un colis il y a quelques semaines avec pas mal de laine que je ne connais pas dedans, oui voilà, de marques que je ne connais pas. Donc, celle-là, j'avais déjà entendu le nom, j'avais jamais tricoté. C'est de la Regia et ça va être une laine auto-rayante pour faire ça. Oh, regardez-moi cette merveille, ça va être trop beau! Ça va être, mais franchement. Ça va être top. Donc c'est une laine auto-rayante et ça, je vais avoir des chaussettes arc-en-ciel. Et moi, je suis joie. C'est magnifique, ça va être trop beau, c'est trop fun. Donc ça, c'est ce qui va passer sur mes aiguilles. Là, ça va être ma prochaine paire de chaussettes. Je trouve ça trop rigolo. Donc j'ai entendu, je connais la Regia de nom, mais j'ai jamais tricoté. Donc ça y est, c'est parti. Je vais essayer ça. Et puis alors, la paire de chaussettes que je vais avoir avec ça, elle va être juste top, top, top. Donc voilà, je vais. C'est ce que je vais débuter là pour avoir une paire de chaussettes pour ce week-end. Et ensuite, en deuxième projet, je vais tricoter. Alors un top dont je vous parle depuis un petit moment, mais que je ne l'ai pas encore lancé, mais ça y est, c'est parti. Alors, que j'essaie de trouver de tout. Là, là. Alors, c'est un top, je vous avais dit. Alors, il est disponible en anglais. Il est payant sur Ravelry, mais il est gratuit sur leur site internet. Voilà. C'est ce modèle-là. Alors moi j'ai repris les. Vous voyez en fait je l'ai imprimé hein, le patron. J'ai repris toutes les explications sur leur site que j'ai mis dans un fichier Word et que j'ai imprimé. Donc en plus j'ai pu prendre que mes tailles à moi parce qu'il y a des endroits où il y a des indications que pour les tailles XSS, que M, que L, ben voilà. Donc comme ça j'ai repris que mes tailles à moi. Et puis voilà, je l'ai mis sur un papier. Et comme ça, je peux le trimballer avec moi, c'est quand même plus simple. Donc me voilà partie pour faire ce top là. Je vais le faire avec le fil que m'avait envoyé The Yarn Lovers pour tester. C'est leur gamme lin. 30% lin, 70% viscose. Voilà. Donc j'ai débuté, j'ai monté mes nailles pendant que mon châle trempait. Voilà, on perd pas de temps. j'ai déjà débuté. Voilà ce que j'ai. Alors, C'est un top qui est conçu pour faire le devant et le dos et on vient coudre. Moi, je vais pas faire ça. Non, non, non. Je commence à faire un devant ou un dos, j'en sais rien. Mais bref, j'ai commencé. Vous voyez, j'ai que ça de maille. Je vais faire les. Alors. Je vais faire. Vous voyez, il y a une histoire de. Là, c'est fendu. Donc,
Ils font un peu de côte, un peu de jersey, et après seulement on coud jusque-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus de côtes, des côtes plus longues, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, je vais faire des côtes plus longues, une fois, puis une deuxième fois, et après, je vais rejoindre, et moi, tout en jersey, ça sera en haut. Voilà, mais on a quand même une ligne ici, là, qui va se poursuivre. Enfin voilà, moi ça va être, ça va se, c'est comme ça que je vais faire. Donc pour l'instant je suis patron à la lettre, j'ai monté le nombre de mailles, je les tricote comme il le demande. Mais je vais faire plus de côtes que préconisé. Et une fois que je vais avoir fait, je pense faire le 2 ou 3 fois ce qu'il demande, parce qu'il demande que 6 rangs je crois de côtes. Donc je vais en faire 12. Je vais voir, ça sera à vue de nez quand j'aurai ça de côte. Ça me paraîtra bien et j'arrêterai. Donc je vais faire les côtes pour le devant. Je vais faire mes côtes pour l'arrière. Puis ensuite je vais rejoindre en rond. Et puis je suivrai le patron pour les petites lignes qu'on a là sur le devant. Donc voilà, c'est parti. Alors j'ai monté mes mailles. Sur le coup, le premier rang à tricoter, il est un petit peu difficile parce que moi je serre un peu toujours. Je trouve que les mailles sont toujours serrées quand on les monte. En tout cas pour ma part, je les trouve un peu trop serrées. Mais voilà, maintenant que je suis partie sur les autres rangs, ça se tricote assez bien. Faut juste faire attention parce que des fois le fil il se dédouble quand même assez facilement. Donc faut faire attention quand même dans comment on pique. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Mais après, voilà, vous voyez, ça se dédouble assez facilement. Donc ça va être quelque chose à prendre le pli. On verra bien après, je vous redirai si c'est vraiment quelque chose de problématique ou si on s'y habitue au fil et que ça aille mieux. Par contre, j'aime bien, il est super brillant, oui, il est brillant et ça a un très joli rendu. Enfin voilà, donc je suis partie pour me faire un petit top d'été là-dedans. On verra bien ce que ça donne une fois fini, mais ce sera l'objectif donc de la semaine prochaine d'avancer ce top, de faire mes petites chaussettes arc-en-ciel, ça va être vraiment chouette. Et après, on verra bien ce qui arrive d'autre. Si j'avais quand même prévu de faire le Lizzie Sweater de Suzanne Sommer. La laine, elle est déjà bobinée, elle est prête. Et j'ai un châle avec des restes à faire aussi que j'avais déjà bobiné avant, que j'ai toujours pas fait. Donc ça sera les projets à venir dans les semaines à venir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!